parole de Dieu, mais bon, c'est aussi la parole de Dieu, mais c'était personnel. Voilà, donc le titre de mon message, c'est « Transporter dans le royaume du Fils de son amour ». En fait, j'ai pris, c'est dans Colossiens, du coup, je n'ai même pas marqué la référence, mais je vais vous dire ça. J'ai tout écrit, vous savez, les versets, je les écris toujours sur ma feuille. Colossiens, c'est pas grand. Donc, Colossiens 1, verset 12 à 16. Non, 9, mais on va commencer à 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Donc la version parole vivante, elle dit le verset 12 et 13, « Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. » Donc si vous êtes des chrétiens vivant dans la lumière, vous avez vraiment ce privilège d'avoir un héritage. Donc le verset 13, dans la version parole vivante, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. » Moi, je vois vraiment transférer, je voyais comme une main qui nous prend et qui nous dépose, enfin plutôt, je pense que c'est plutôt de la terre, qui, parce que je pense que l'enfer, c'est sous terre, et il nous a transportés de l'enfer vraiment vers le paradis, vers les cieux, quoi, vers son royaume. Donc, comment est-ce qu'on peut être transporté? Je pense que vous savez tous ici que c'est uniquement par la nouvelle naissance que le Seigneur nous a tirés du royaume des ténèbres et il nous a emmenés dans le royaume du Fils bien-aimé. Et ça, c'est pas n'importe quel royaume parce que c'est un royaume de lumière. Donc, aussi, lors de ce transfert, notre Papa Céleste, il a rendu ses enfants capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je pense qu'ici, vous savez tous qu'on a un héritage quand on appartient au Seigneur. Donc, qui sont ces héritiers? Galates 3, 29 nous dit « Si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Après, un peu plus loin, Galates 4, le verset 7 « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Comment est-ce qu'on peut entrer dans cet héritage? Dans l'Ancien Testament, Israël a dû combattre pour entrer dans son héritage. Donc, vous pouvez vous souvenir de l'histoire de Josué, aussi de la mentalité de Josué et Caleb quand ils sont revenus avec l'histoire des 10 espions et que eux ils ont pu rentrer dans le pays de la promesse parce qu'ils n'ont pas vu des géants, ils ont vu les gens comme des sauterelles. Et nous, si on n'entre pas, nous n'entrerons pas dans notre héritage si nous n'acceptons pas de nous battre contre les puissances des ténèbres qui s'opposent à nous.
et si nous ne vainquons pas avec les armes que Dieu a mis à notre disposition. Donc Eugène May nous a bien dit les armes que Dieu nous a mis à disposition. Entre autres, la parole de Dieu, enfin tout ce qu'il a dit, vous avez dû le sang, le nom de Jésus. Mais il a aussi dit, pour terminer, la prophétie. Et le jour même, quand il était venu, le matin, j'avais trouvé mes prophéties que j'avais écrites par écrit. Et souvent, quand je dois prêcher, je me suis dit, tiens, tu fais bien de les relire, parce que c'est comme ça te fortifie et ça t'encourage. Et comme il avait dit ça aussi, qu'une des armes de Dieu, c'était la prophétie. Bien sûr, des prophéties, vous les éprouvez quand vous les recevez, mais quand vous savez vraiment que c'est un vrai prophète qui vous les apporte, et vraiment ça m'a fortifiée, parce que toutes les autres armes, je les connaissais, mais je connaissais aussi celle-là, bien sûr, mais comme il a mis vraiment le point sur que la prophétie était une arme, ça m'a vraiment parlé, quoi. Je me suis dit, il faut relire les prophéties pour nous encourager mutuellement. Et aussi, en même temps, ça renouvelle votre intelligence, parce que le Saint-Esprit, vous pouvez aussi voir tout le chemin que vous avez parcouru quand vous avez reçu une prophétie, quand vous étiez jeune dans la foi. Vous pouvez voir ça et vraiment ça vous encourage à continuer. Donc aussi, je veux vous encourager à continuer à combattre le bon combat, parce qu'il y a un combat. Et les chrétiens qui ne se battent pas, ils n'entrent pas dans leur héritage. Donc quand on parcourt les Écritures, on découvre de nombreuses promesses et de bénédictions que Dieu a pour nous en réserve en Jésus-Christ, et qui sont notre héritage. Donc le premier héritage que nous avons en Jésus, c'est que Dieu pardonne tous nos péchés. Colossiens 1, verset 14. Donc au verset 14, ça commence après une virgule, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et donc si encore aujourd'hui vous avez péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Après, on va aller plus loin. Colossiens 1, 14, donc il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je voulais aussi un petit peu vous parler du pardon, parce que ça me travaille toujours. Et vous savez que le Seigneur, il est toujours prêt à nous pardonner, mais est-ce que nous, on est toujours prêt à nous pardonner quand on vous offense? Et j'ai même vécu des choses comme ça personnellement, au cours de ce dernier mois, parce que j'avais un grand combat, justement au niveau de mon travail, et le Seigneur m'a dit, combien de fois faut pardonner? Pardonne 7 fois, 77 fois. Même si ce n'est pas des choses graves, ce n'est pas un meurtre, ou ce n'est pas quelque chose de... Mais le Seigneur, il te dit, pardonne 7 fois, 77 fois, c'est ce qui veut dire, tout le temps. Donc, en Jésus, Dieu nous a aussi fait passer du stade de créature à celui d'enfant de Dieu. Ça, c'est Jean 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Si vous le sentez ou pas, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu enfant de Dieu. En Jésus, Dieu nous accorde également la vie éternelle. Ça, c'est 1 Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Et là, je voulais vous dire vraiment que quand je me suis convertie, avant, j'avais vraiment peur de la mort. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je savais que j'avais
plus besoin d'avoir peur de la mort parce que je savais où j'allais aller. Mais il y a bien plus encore, Dieu nous accorde aussi une diversité de bénédictions morales. Morale, je dirais que c'est la paix dans l'épreuve, par exemple, que c'est la joie du Seigneur et ma force, qu'on peut aussi confesser quand tout va mal, parce que, comme on a chanté ce matin, que notre âme, elle bénisse le Seigneur en tout temps, quand tout va bien, mais quand tout va mal. Et souvent, si vous prenez, moi j'ai le CD des païens là, la joie du Seigneur est ma force. Et des fois, je me le mets dans la voiture et ça me booste. Le Seigneur, bien sûr, veut vous accorder des bénédictions matérielles. Combien de fois on a déjà reçu des cadeaux, qu'on a déjà reçu aussi financièrement de l'argent. Et bien sûr, financièrement, bien sûr, si vous travaillez, vous êtes d'office béni financièrement. Mais ce n'est pas votre patron la source, c'est toujours Dieu notre source. Parce que vous savez, tout peut s'écrouler dans la vie, rien n'est acquis. Et vraiment, tournons toujours nos regards vers le Seigneur. Donc, à ce titre, on devient héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, quand on est héritier, on bénéficie des droits et des privilèges dus à notre rang. Mais il faut en prendre possession pour nous-mêmes et d'une façon individuelle et personnelle. Moi, je ne peux pas rentrer dans l'héritage que Dieu vous a réservé. C'est à vous de rentrer personnellement dans cet héritage. Et vous savez très bien qu'un héritage, ça peut changer toute une vie. Surtout un héritage, je dirais, bon, surtout. L'héritage du Seigneur, c'est celui-là qui transforme une vie entière. Mais un héritage, quand vous recevez un héritage financier et que vous êtes toujours au plus bas dans vos finances, ben, ça change votre vie. Souvent, l'héritage reçu vient de nos parents directs, père ou mère. Et un héritage donc change la vie de celui qui le reçoit. Donc, personnellement, depuis que je suis consciente que Dieu a un héritage pour moi et que je me l'approprie, cela a transformé complètement ma vie. Parce que je sais que Dieu est là dans tous mes besoins, quels qu'ils soient. Donc, vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un Père céleste et que vous pouvez l'appeler Papa ? Et Abba, Père, ça signifie Abba, Papa, c'est plus familier que Père. Abba, Papa céleste. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus de juifs, ni non-juifs, il n'y a plus ni esclaves, ni libres, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Galates 3, 26 et 29. J'aurais peut-être dû vous le signaler avant. Donc ce passage de la lettre aux Galates nous révèle notre identité en Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu, ses fils et ses filles, au moment de notre conversion. En lui, nous avons été inscrits dans le livre de vie. Notre filiation est connue aussi par les anges, mais elle est aussi connue par l'ennemi de nos âmes. Donc vous devez savoir que vous avez un ennemi, mais que le Seigneur l'a vaincu. Et quand vous priez, vous êtes toujours plus que vainqueur par celui qui vous fortifie. Amen. Parallèlement, nous, fils et filles de notre Père céleste par Christ, si nous ne connaissons pas notre véritable identité dans le Seigneur, nous vivons notre vie dans l'incertitude des lendemains. Et c'est vrai que les derniers temps, je vous confesse toujours, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin de lui-même. Amen.
Et quand vous êtes fatigué le soir ou comme ça, retenez ce verset. Et souvent, ma chef que j'avais pendant 27 ans, quand elle a... Souvent, je lui disais ça, chaque jour suffit sa peine. Et des fois, elle me disait, au bout d'un certain temps, comme ça, et qu'on avait un surcroît de travail, elle me disait, c'est quoi que tu disais ? Tu sais, à chaque jour suffit sa peine, et le lendemain prendra soin de lui-même. Et elle m'a dit ça au moins, je ne sais pas moi, une quinzaine de fois dans ma carrière avec elle. Et c'est vrai, des fois je disais aussi au Seigneur, chaque fois, quand je travaille, des fois je ne pense pas forcément à Dieu. Et je disais au Seigneur que je puisse plus penser à toi, Saint-Esprit, rappelle-toi au courant de la journée que tu es avec moi. Et quand elle me disait ça, je me disais, tiens, oui, le Seigneur, il m'a parlé, il est avec moi, il joue, et ça me réjouissait le cœur. Donc, on a aussi la crainte, les doutes et le manque d'estime de soi qui règnent alors dans nos décisions de chaque jour. Mais laisse-moi te rappeler que si tu es fils ou fille du roi des rois, alors tu es prince ou princesse. Et alors tu as des privilèges que d'autres n'ont pas. Et souvent, je me rappelle, je pense que je peux la citer, Judith, elle venait au magasin et elle me disait « Princesse, bonjour princesse ». Et ça me rappelait aussi que le Seigneur il était avec moi. Donc Galates 4, verset 7, « Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. » Gloire à Dieu. Vous le croyez ? Amen. Amen. Donc beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à posséder les promesses faites par Dieu et l'héritage dont ils ont droit. Ces chrétiens ne comprennent pas ou refusent de croître spirituellement et donc ils ne peuvent pas jouir des bénédictions de l'héritage dont ils ont droit. Et c'est important de vouloir grandir dans la foi. Il faut le vouloir. Donc, des fois, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Des fois, il faut faire un effort pour lire la parole de Dieu. Il faut faire un effort pour prendre du temps et aller dans la présence de Dieu, même si votre ménage n'est pas fait. Je prends mon exemple à moi. Et des fois, laisser les choses matérielles de côté pour pouvoir vraiment se concentrer sur le Seigneur, parce que c'est dans ses bras d'amour qu'on est le mieux. Et c'est aussi dans ses... parce qu'on sait qu'il nous aime, qu'on croit dans la foi. Mais il ne faut pas toujours non plus regarder en arrière, parce que notre pare-brise est plus grand que notre rétroviseur. Donc, regardons par le pare-brise. Et nous regardons pas toujours dans le rétroviseur, dans notre passé, parce que le passé est dépassé. Le Seigneur nous a pardonné, allons de l'avant. Ouais, c'est important, nous devons atteindre la maturité spirituelle pour posséder pleinement notre héritage. Amen. Et aussi un verset qui dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 30. Alors moi, je m'étais dit le verset à l'envers. Je m'étais dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Mais en fait, s'il croit en moi, Jésus, s'il croisse en moi, ben forcément je diminue. Et après, j'ai cherché dans la parole de Dieu, j'ai vu que c'était l'inverse. Donc plus que le Seigneur il croit en toi, plus tu diminues, automatiquement. C'est lui qui doit. Ainsi, tout ce qui peut mettre notre moi en valeur, notre personne au devant de la scène, doit être discipliné de façon à ce que les gens voient plutôt Christ en nous. Donc, des fois, le diable peut aussi vous titiller par le doute. Le diable sait que Dieu a préparé un plan pour notre vie. C'est pourquoi il va essayer par tous les moyens de vous faire douter de notre filiation en vous laissant vous cacher derrière des émotions ou des blessures.
Il nous éloigne ainsi de notre héritage. Donc nous devons ouvrir nos yeux spirituels pour faire échouer sa tactique et l'écraser avant qu'il ne puisse de nouveau nous mordre le talon. Et ce matin, j'étais dans mes pensées, et tous ces gens qu'on a vus au mariage, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, et tout ça. Et d'un coup, Saint-Esprit m'a dit, l'important, c'est ce que Dieu pense de toi, amen. Pas ce que ces gens, ils pensent de toi. Parce qu'on avait vraiment, c'était que des personnes qui n'étaient pas au Seigneur. Mais je dis, la semence, elle porte toujours du fruit. Comme on a dit avant, on a semé, et je crois que la semence, elle va porter du fruit. Et qu'il y aura peut-être même des conversions suite à ce mariage. Quoi. Parce que je sais que Dieu travaille les cœurs, et que prochainement, pour les mois, on va être invité donc, chez les jeunes mariés, en privé, et prier pour ça, pour que vraiment... On leur a aussi offert une Bible, pour qu'ils aient la parole de Dieu dans leur foyer, et prier pour eux, voilà, vraiment que la gloire de Dieu se manifeste dans cette famille. Donc, on porte aussi, quand on est fils et fille de Dieu, on porte aussi un nom qu'on doit honorer. Donc, la jalousie, ça n'a rien à faire, la médisance, le manque d'amour envers nos frères et sœurs, sont quelques-uns des comportements à bannir de notre vie, car nous sommes tous fils et filles du roi, et nous avons le même héritage. Alors, on doit travailler tous ensemble pour l'avancement du royaume de notre Père. C'est ce qu'on fait ici. Et je veux vous encourager à nous serrer les coudes pour qu'on aille vraiment de l'avant et quelque chose se passe dans les lieux célestes, je suis sûre et certaine. Amen. Donc, faites aussi attention à vos paroles. Et parce que quand on est fils et fille du roi des rois, on ne peut pas... on ne peut pas parler bêtement ou avoir des gros mots dans sa bouche. Je crois que notre manière de penser et notre manière de parler, elle doit changer. Et nos paroles, elles doivent aussi refléter votre origine. Puisque maintenant, vous êtes fils et fille de Dieu, ben, ça doit refléter votre origine. Jésus, est-ce qu'il parlerait avec des gros mots? Ben, je ne pense pas que Jésus parlerait avec des gros mots. Si Jésus vit en nous, on doit parler comme lui, il parle. Donc, le deuxième passage, c'était délivré de la puissance des ténèbres. Donc, il a commencé par nous délivrer du diable qui nous tenait entre ses griffes, et il nous a arrachés grâce au sang de Jésus et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés non seulement dans un royaume où son Fils règne, mais il nous a transportés dans son Fils qui est le roi et la tête de son corps. Et je suis devenue membre de son corps. Dieu le Père, notre Père, nous a transportés en Jésus. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? C'est quelque chose de merveilleux. Et vraiment, gloire au Seigneur. Par sa rédemption et son pardon, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Le mal est une réalité et celui qui se tient derrière tout ce mal est bien réel. C'est Satan. Il y a vraiment un royaume des ténèbres. Ce royaume ne connaît aucune frontière ni aucune limite ethnique. Dans Acte 2, chapitre 26, du verset 17 à 18, Jésus dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage dans les sanctifiés. » Donc Jésus, il est venu pour nous ouvrir les yeux spirituellement, pour que les autres personnes aussi puissent recevoir le Seigneur dans leur vie. Donc il y a
Éphésiens 2, verset 1. Hein? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Celui qui nous tenait s'appelle le prince de la puissance de l'air, et ce prince n'est autre que le malin. Nous étions esclaves, mais Christ est venu pour nous délivrer. Il nous a arrachés à l'autorité des ténèbres et le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Donc, le diable non plus n'a plus aucun pouvoir sur nous. Mais ce n'est pas tout, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est devenu citoyen du royaume de Dieu? Donc, il nous a emmenés d'un endroit, du royaume des ténèbres, et nous a transférés dans un autre, celui de Jésus. Donc, vous savez aussi que quand Dieu a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte, ce n'était pas pour le laisser vagabonder dans le désert, mais ce n'était pas l'intention de Dieu, mais c'était pour l'emmener dans le pays de la promesse. Et quand Dieu rentre dans votre vie, ce n'est pas non plus pour venir vous emmener pour que ça aille plus mal, mais il a toujours le meilleur pour vous. Un père a toujours le meilleur pour ses enfants, enfin la plupart des pères a toujours le meilleur pour ses enfants. Combien à plus forte raison notre Père Céleste a le meilleur pour ses enfants. Et même si des fois, aussi l'héritage, on peut aussi l'acquérir par l'obéissance. Et je pense que quand on obéit, même si c'est difficile, ben, le Seigneur, c'est toujours pour notre bien. Une des premières choses qui m'a interpellée, je me suis dit, pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on ait des relations sexuelles avant le mariage? C'est pour notre bien. Vous vous rendez compte toutes les bénédictions qui sont en réserve, tous les avortements qu'il n'y aurait pas, il n'y aurait pas d'avortement si les gens ils respectaient ce que le Seigneur nous dit. Très quoi. Voilà, c'est une des premières pensées que j'ai eues quand je me suis convertie, c'est que le Seigneur, il a le meilleur pour toi. Et s'il dit c'est comme ça, ben, tu fais comme ça et tu es béni en retour. Il n'y a pas de problème. Et j'ai vraiment vu dans ma propre vie que si tu obéis au Seigneur, d'office tu es... Même aussi financièrement, je veux pas... Je veux dire, on ne veut pas faire de pression sur vous, mais je sais que depuis qu'on donne notre dîme, on peut dire que Dieu l'a toujours pourvu à tous nos besoins. Et voilà, parce que le Seigneur... Après, il y en a qui disent « Non, la dîme, c'est pour l'Ancien Testament et tout ça. » Moi, je ne discute pas avec la parole de Dieu. Je me mets devant le Seigneur. Si le Seigneur me révèle que ça vient de lui, ben, j'obéis et puis je vois qu'il y a la bénédiction qui coule. Donc, dans le nouveau royaume dans lequel Dieu nous a conduits, nous devons vivre avec de nouveaux privilèges et de nouveaux principes. Puisque c'est le royaume de Jésus, Jésus en nous, nous vivons les mêmes privilèges de Jésus et selon les mêmes principes de Jésus. Donc, il y a une loi qui régit ce nouveau royaume dans lequel nous vivons. Alors, c'est la loi de l'amour. Amen. Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, hier, j'ai beaucoup aimé M. le maire. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? L'amour ne fait pas partie du droit civique. Mais nous l'avons entendu, donc, moi je l'ai écrit au crayon là, l'amour ne fait pas partie du droit civique, mais l'amour régit quand même le mariage. Comme il a dit ça, ça m'a presque scotché qu'un maire puisse dire ça. Enfin, c'était la pensée qu'il voulait dire, quoi. Que, en fait, c'était pas dans le droit civique
c'est que l'amour, c'est vrai que sans amour, un mariage, il n'y a pas de sinon, hein, hein, ça s'effrite vite. Donc, Christ vit en nous maintenant et nous pouvons puiser dans sa force. Éphésiens 6, verset 10, nous dit « Au reste, fortifiez-vous de notre Seigneur et par sa force toute puissante. » Donc c'est aussi à nous de nous fortifier dans le Seigneur. Et comment on se fortifie dans le Seigneur? Ben, on lit sa parole, on prie, on croit aussi en ses promesses. Et on témoigne aussi de l'amour et de l'affection à ceux qui nous entourent. Et moi, je ne crois pas seulement aux frères et sœurs, mais aussi les gens de l'extérieur, nos collègues de travail, nos voisins, ceux qui ont besoin. Parce que moi, j'ai été touchée personnellement par l'amour que d'autres personnes m'ont témoigné. Et certainement d'autres personnes, vous aussi. Nous ne vivons plus selon nos propres forces parce que nous avons réalisé que cela ne marche pas. Mais nous vivons par la foi et nous dépendons de lui, de Jésus. Le Saint-Esprit nous a été donné aussi comme un gage de notre héritage. Nous pouvons expérimenter ce qu'est la puissance de Dieu. Il nous donne la puissance pour vivre. Il nous donne aussi la puissance pour vaincre. Il nous donne la puissance pour vivre comme Christ. Et il a déjà fait pour nous de grandes choses merveilleuses. Si nous avons été transportés dans ce royaume, tout ce qui est... à tout ce qui est en Jésus nous appartient. Amen. Tout ce qui est à Jésus nous appartient. Amen. Le royaume du Fils de son amour, c'est un royaume où l'amour règne et domine tout. Et si vous recherchez les choses d'en haut, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, ben, qu'est-ce qui reste en haut? L'amour. L'amour. Voilà. Délivrés du pouvoir des ténèbres, nous avons été transportés par la grâce de Dieu. Donc, vous savez que Dieu a formé sur nous des projets merveilleux de bonheur, de joie, de paix et de réussite. Amen. Il a réservé aux hommes de très grandes bénédictions qu'on ne peut même pas imaginer. Même moi, il y a 15 jours, j'aurais jamais pu m'imaginer que Dieu avait cette place en réserve pour moi. Et toutes les personnes qui viennent disent « Oh, ça te va bien, t'es resplendissante. » Oulala, qu'est-ce qu'ils ont? Et pas des gens, pas des chrétiens, hein, des... Voilà. Et ben, bien sûr, ça me fait plaisir. Hein. Et parce que quand vous aimez aussi faire quelque chose, ça change votre vie. Quand vous faites les choses par amour, ça change quand même votre vie. Donc, il a réservé aux hommes de très grandes bénédictions qu'on peut imaginer, mais ces bénédictions, nous ne pouvons les posséder et en faire usage que si nous devenons des fils de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire une personne qui a reçu Jésus comme son sauveur et seigneur personnel et qui se laisse conduire par l'esprit et non par la chair. Que vous puissiez vraiment entrer en possession de vos bénédictions ce matin et que vous puissiez être conscient que vous avez été transporté dans le meilleur des royaumes. Il n'y a pas meilleur royaume que celui du Fils bien-aimé, et que nous puissions tous aussi continuer à travailler et œuvrer afin que son règne vienne sur cette terre. Voilà, alors, soyez vraiment bénis, et j'aimerais qu'on fasse quand même un acte de foi. J'aimerais que vous vous leviez et que vous répétiez après moi et qu'on déclare... devant les autorités, parce que l'ennemi il a aussi le droit de l'entendre. Je vous ai marqué une petite déclaration, et si on peut faire cette petite prière. Voilà. Donc, merci Père de m'avoir rendu capable d'avoir part à mon héritage. Merci Père de m'avoir rendu capable d'avoir part à mon héritage. Je suis racheté. Je suis racheté.
Je suis délivré de l'autorité de Satan maintenant. Je suis délivré de l'autorité de Satan maintenant. J'ai été transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé. J'ai été transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Je suis citoyen du royaume de la lumière. Je suis citoyen du royaume de la lumière. Je vis dans la lumière. Je vis dans la lumière. Je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière. Je marche dans l'amour. Je marche dans l'amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alléluia. Alléluia.